Messieurs, vous avez choisi l'ours doré. Que va-t-il se passer pour vous en termes d'énergie, de problématiques, de grandes joies, de décisions pour cette nouvelle semaine? On voit, avec nos oiseaux et la lune, qu'il y a certainement des discussions que vous souhaitez aborder. Vous tendez vers un projet, vous avez envie d'aboutir à quelque chose qui vous pose problème. Ces problèmes viennent sûrement avec un rapport à l'administration ou à votre entreprise. Ici, on vous parle d'une réunion, d'un rendez-vous, pour pouvoir discuter avec l'entreprise, avec la société, avec l'administration, au sujet probablement d'une maison, d'un bien ou d'une création d'entreprise, pourquoi pas. Et on se rend compte avec le résultat qu'il y a une reconnexion à un domaine qui touche les finances ou qui peut toucher aussi une personne d'autorité, votre patron, mais probablement on peut inclure aussi la mère ou le père. Est-ce que vous avez besoin de discuter avec une administration au sujet d'un placement dans un EHPAD pour une maman ou dans un centre médical ou médicalisé? Il est possible aussi qu'on vous parle peut-être de l'obtention d'un prêt que vous attendiez et qui était bloqué. Vous avez dû vous réunir, vous avez dû discuter et pour faire avancer ce projet qui touche ou l'entreprise, la maison ou un établissement, vous avez besoin d'une somme d'argent qui vous manque. Ici, on vous dit que tout va bien, cela va aboutir. Si c'est un prêt que vous attendez, vous aurez certainement de nouveaux éléments pour pouvoir y accéder. Dans tous les cas, on vous dit une reconnexion se fait, quelque chose se débloque, vous sortez de l'ombre, vous sortez de la boîte pour aller vers votre projet. Messieurs qui avez choisi l'ours bleu, eh bien, pour vous, cette semaine, on peut parler de finances au sein d'un foyer. On peut parler aussi d'une certaine autorité par rapport à une entreprise ou d'une maman au sein de votre foyer. Des finances aussi. Quelque chose se joue pour vous au niveau d'un foyer ou d'une entreprise. Ici, on retrouve le renard qui nous parle de travail. Vous et le travail, vous et votre famille. Il y a des changements, des modifications par rapport à un accord, un contrat, quelque chose qui unit les gens par une signature ou par des liens familiaux. Ça peut aussi être des changements, des modifications dans une union, mais possiblement dans un contrat. Ici, avec le résultat de la tour et des souris, on vous parle de situations liées à l'administration, à votre entreprise, à un bâtiment. Et il y a une notion de stress, d'angoisse, peut-être même de vol. Un petit larcin qui aurait été commis, c'est une éventualité et ça vous touche et ça vous contrarie. Les changements, les modifications que vous allez avoir vis-à-vis d'un contrat, d'une union, d'une association ou au sein de votre famille peuvent toucher évidemment plusieurs domaines qu'il faudra relier à votre situation. Je vous l'ai dit, au niveau des finances, au niveau d'une mère, d'un père de famille, au niveau d'un patron, c'est quelque chose qui se modifie. Ça peut impacter votre travail, votre famille et votre contrat ou l'union familiale ou l'union avec une autre personne. Ne vous inquiétez pas, ce sont des petites énergies de la semaine. Maintenant, vous êtes prévenus, vous savez à quoi vous attendre. Si vous avez ciblé le domaine que cela concerne, faites attention. Ne stressez pas trop, le stress n'apporte rien de positif. Je vous embrasse. Messieurs, vous avez choisi l'ours argenté. Pour vous, dans cette semaine qui arrive, on voit encore une fois, parce que l'ours est sorti quand même 3 fois pour les messieurs, qu'il y a une notion de sortir enfin des problématiques par rapport à une personne qui peut être une mère de famille, qui peut être un père, qui peut être un patron, ou peut-être d'ordre financier. Ça touche quelqu'un que vous connaissez aussi, ça impacte
votre compagnon, votre compagne au niveau sentimental. Alors, si nous prenons cette lecture dans le sens sentimental, je dirais que vous vous reconnectez à une personne de fort caractère, à un tempérament assez autoritaire. C'est quelqu'un qui est proche de vous et que vous aimez vraiment tendrement. Ça peut être votre maman, effectivement, mais ça peut être aussi une compagne ou un compagnon. Ici, on nous dit qu'il y a des changements, des modifications qui se passent au centre de votre famille, au centre de votre union par rapport à un contrat, une association. Il en résulte du stress et on retrouve ici encore, comme le tirage précédent pour les messieurs, c'est-à-dire avec l'ours bleu, les souris et la tour, mais inversé. Donc, par rapport à cette situation, il y a vraiment quelque chose qui est rongé, qui, comme s'il y avait des fondations qui s'effritaient un petit peu, comme s'il y avait quelque chose qui se délitait, peut-être par rapport à un contrat, une union, une association. Est-ce que vous êtes dans le cadre de célibat qui vous ronge, qui vous angoisse, qui vous saoule en définitive? Peut-être effectivement que cette relation qui n'existe pas vous amène peut-être à changer de direction pour enfin vous libérer d'un poids et peut-être recommencer dans une aventure sentimentale, relationnelle pour vous. Allez, courage, on y va et on ne se pose pas trop de questions. Mesdames, pour cette nouvelle semaine, vous avez choisi l'ours doré. Alors, qu'est-ce que nous trouvons ici, la faux et vous? Que se passe-t-il? Vous récoltez quelque chose, vous récoltez une situation de façon brutale, imprévue. Elle concerne quoi? Avec le fouet, on peut parler de conflits dans un foyer, dans une entreprise, des retards qui s'atténuent, des blocages qui s'arrêtent pour aller vers quelque chose d'officiel. Des grosses discussions vont être entamées pour certaines d'entre vous. Et elles sont tendues, elles sont nerveuses, elles sont un petit peu compliquées. Je peux regarder aussi au niveau de votre foyer. Peut-être avez-vous décidé de faire des travaux qui ont pu être retardés. Et là, maintenant, vous voulez que les choses avancent. Vous allez officialiser la reprise des travaux. Vous allez en discuter, peut-être même être contrarié, vous énerver, parce que vous voulez maintenant que ce soit terminé. Il peut s'agir de peinture, il peut s'agir de faire une clôture autour d'une maison. Dans tous les cas, vous attendez l'aval, l'accord de quelqu'un pour y aller. Mais vous n'attendez pas en ayant la bouche close. Non, non, non. On va vous entendre. Mesdames, avec le choix de l'ours argenté, vos énergies de la semaine prochaine sont un petit peu, je dirais, brutales et imprévues. Par rapport à une situation qui était à l'arrêt, qui était stagnante, qui était bloquée, qui était fermée, il y a quelque chose qui brutalement refait surface, se réactive, se régénère. Ça peut toucher votre profession, ça peut toucher l'administration. Il y a des modifications, des changements, mais toujours des blocages vis-à-vis d'une situation qui vous préoccupe. Bien que vous aurez certainement des nouvelles, mais ces nouvelles ne sont pas super bonnes pour votre avancée de projet. Dans la réalisation, on se retrouve un petit peu face à un mur. Alors, est-ce un refus venant de l'administration? Est-ce quelque chose qui vous demande de revenir sur un projet, de refaire des documents, d'aller vers des changements pour étoffer un dossier ou pour le finaliser? Toujours est-il qu'en résultat, nous avons avec le chien et le jardin une réunion, des retrouvailles ou alors tout simplement un rendez-vous. Mais vous serez aidé de quelqu'un qui est là pour vous soutenir, pour plaider votre cause. On peut faire référence, pourquoi pas, à une situation
face à un tribunal, par rapport à des amendes, par rapport à quelque chose qui est en cours pour vous et qui a pris du temps. Mais là, le rendez-vous est pris, vous allez aller et vous allez aller avec quelqu'un qui vous soutient et qui vous aide dans cette réunion par rapport à cette problématique. J'espère pour vous que vous êtes bien accompagné. Si vous ne l'êtes pas, prévoyez quelqu'un auprès de vous afin de solutionner vos problèmes. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.